Hey chérie, est-ce que t'as appelé le DJ? Ah non. Ah dépêche-toi, appelle-le. Non, bah oui, putain. Attends, c'est pas possible, faut tout te dire quoi. Oui, allô? Oui, monsieur DJ? Oui, oui, je vous appelle concernant le devis que vous nous avez envoyé là qui est très bien. Demande-y pour l'exercice. Et je voudrais déjà vous remercier pour le petit. Oui, bah, c'est bon. Oui, oui bah après, je vais quand même le remercier pour la gentillesse qu'il a fait. Demande-y pour l'exercice froide. Oui. Alors, à tout hasard, est-ce que ce serait possible de nous rajouter les étincelles froides? Voilà. Ouais, les quatre. Les quatre de préférence. L'éclairage mural aussi. Ouais. L'éclairage mural. Ouais. C'est pour la salle. Oui, avec l'éclairage mural pour parce qu'on a une salle en pierre, donc ça serait tellement joli avec l'éclairage mural. Demande-y si un prix. Demande-y un prix aussi. Attends, oui. Oui. On va pas payer ce prix-là, ça revient à des conneries. Oui, non, oui, je suis d'accord. Oui. Faut pas que ça coûte, ça va mal les mines. Demande-y un prix. Allez. Oui, bah, attends, oui. Attendez, je vous passe mon mari, il a quelque chose à vous demander. Donne. Putain. Attends, oui. Ça se fait pas comme ça. Oui. Oui, bonjour monsieur, oui. Oui, donc on a bien reçu votre devis, hein, super, hein, donc 1390, hein, c'est bien ça? Bon, ouais, écoutez, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, peut-être avoir un prix, parce que voilà, nous on a des gens très connus hein, qui vont être à notre mariage, on est nombreux, on risque même d'avoir des célébrités, hein, donc même pour vous, ça vous fait une super pub, hein. Ça vous fait de la pub, hein, si vous faites quelque chose, ça serait quand même sympa, quoi. Ah, juste un petit prix, vous nous faites un... Bon, admettons, on part sur 500 €. 500 €. Ah, même pas. D'accord. Et si on vous paye en espèces? Tiens, je vous paye en espèces, on oublie la facture, on oublie tout et... Non plus. D'accord. Non, mais vous avez pas honte. Vous rendez compte le prix que vous prenez, sérieux? Non, mais 1400 balles, quoi. Et les mecs? Et vous touchez quand même, hein? Vous avez pas honte, sérieux? Non, mais... Et moi, il faut que je travaille pendant un mois pour gagner 1400 balles. Vous faites ça que le samedi. Vous, bim, 1400 balles. Vous n'avez pas honte? On vous demande juste un petit truc, ça quand même pas. Oh, quelle honte. Mais quelle honte. Oui, bah, je sais que vous avez déjà fait cadeau la machine à fumer lourde, mais... D'accord. Rien du tout. Il va rien savoir. Lui. Rien du tout. D'accord. Attends, en plus, on le fait travailler quand même. Et oh, c'est lui qu'on choisit. Ouais, on pourrait faire un effort. Non, bah, vous... Ben vous êtes vraiment pas commerçant, hein. Je vais pas vous faire de pub. Vous demandez simplement, voilà, vous nous faites des, voilà, on oublie la facture, 500 € au lieu de 1300, là, puis on en parlait, voilà, c'était, on en parlait plus, quoi. Voilà, c'était sur tout le monde qu'on va avoir. Attends, hein. Même pas. Bon, ben d'accord. Bon. Eh ben écoutez, je vais pas vous faire de pub. Et croyez-moi, vous savez quoi, ben vous allez, ouais, c'est ça. Eh ben vous savez quoi, vous annulez. On annule tout, espèce de...